vous retrouve dans le vlogmas numéro 19. Toujours ma voix capote, en plus avec la nuit froide qu'on a passée, c'était pas tip top. Le propriétaire vient de passer, du coup il a démonté la crémone. C'est la barre en fait, la tige qui est à l'intérieur de la fenêtre. Il l'a pris, je pense qu'il faut la changer parce que je pense que c'est ça du coup qui a bloqué. Donc écoutez, il est parti, il va essayer de la réparer ou d'en racheter une. Il repassera nous voir, donc nous en attendant, bah, on n'a pas le choix d'attendre. Et après on ira faire des courses parce que vu qu'on est en repos, on n'a plus de courses en plus. Donc voilà, et pourtant on avait fait le plein quasiment fin novembre, comme vous avez vu les vlogmas, et ben ça part trop vite quoi, c'est abusé, donc on doit refaire les courses déjà. Donc je vous montre, en fait il a enlevé la tige là ici et il a pris la poignée aussi en même temps. On attend de ses news et du coup il m'a dit qu'il voulait récupérer un de ses lustres qui était à la cave. Donc moi je sais pas c'est lequel, donc du coup j'ai remonté tous ces lustres qu'il avait à lui. Tout ça c'est à lui, c'est des anciens trucs et tout. Donc écoutez, s'il peut tout m'enlever ça serait bien, ça me fera un petit peu de place dans la cave. Mais bon, s'il en prend qu'un je serais un peu deg, mais bon, tant qu'à faire j'ai tout monté, et bien qu'il les récupère hein. Du coup c'est bon, il m'a réparé la fenêtre. En fait, c'était bien ça qui était cassé, enfin l'intérieur, et il datait. Donc du coup, il me l'a changé, il m'en a remis une neuve et voilà, ça refonctionne. Je suis contente, on va pouvoir mieux dormir ce soir. Alors ce midi, du coup, on mange les beans à la tomate du Canada, trop bon, avec les petits rostis, la pomme de terre. C'est vite fait, bien fait, mais nous, on adorait manger ça le matin ou le midi, même pour faire des brunchs. Donc voilà, on a décidé de faire ça à midi, vu que le propriétaire, il vient de partir, comme je vous ai dit. La fenêtre est réparée, ça fait plaisir, c'est au moins déjà une bonne nouvelle. Et voilà, on va se régaler. Bon app, c'est bien chaud, ça fait du bien. Bon, du coup, on ramène les courses du marché asiatique à la mère de mon chéri et après on retournera faire des courses. Coucou, il s'appelle Pacha aussi. C'est le chat de ma belle-mère. Il est trop content quand il nous voit. Mais il est tout mignon, noir et blanc. C'est un petit chat Félix. C'est encore au Texas. Ah, c'est livre tout le temps. Oh, il est content. Pacha. Il se jette. Là, c'est Minette. Minette la vieille, je crois qu'elle a pas loin de 20 ans. Minette la vieille. D'accord, là, c'est vrai. Elle a 20 ans, je crois. Moi non. Ouais, moi mes enfants, maman. Et ça c'est le sapin. Il est beau. Il est bien gros. T'es déchaîné toi. Hein. Il va se jeter. Oh oh, mais oui, je suis là. Il est fou. Hein. T'es un petit coquin toi. Il va me suivre. Ah, Pacha. Allez, viens. Coucou. Oh oh, t'es fou hein comme ça. Oh là là, il veut que des câlins. Hein. Premier round fait à Inter, on avait besoin que de ça, après le reste on fait à Lidl. Ouais, petite rillette, on est en train de faire les courses à Lidl. C'est du pesto. Ouais, mais il est au rouge. Ouais, il est meilleur, je préfère que le vert là. Ça m'a un peu écœuré le vert. Je suis bien malade au courses là. J'ai mon qu'on rentre et que je me calme parce que je suis exténuée. J'ai plus de voix, je peux que me moucher. Les mouchoirs sont mes meilleurs amis. Bon, on vient de rentrer des courses, je voulais vous montrer du coup ce qu'on a pris à Lidl et Inter. On a repris du coup un pack d'eau, de la salade, des mouchoirs, c'est à l'eucalyptus je crois que je vais en avoir besoin. Donc ça c'est les petits mouchoirs que je peux mettre dans le sac pour emporter parce que j'ai la crève bien entendu. Tartiflette. J'en avais trop envie d'en manger une, on n'a pas encore mangé une cette année. On a pris un petit foie gras, des lasagnes, celles-là on les reprend, vous savez qu'on les aime bien. Un saucisson sec comme ça, un yaourt grec, on adore manger ça aussi, les yaourts grecs nature. On a pris des petits canapés spécial foie gras, du boudin noir, qu'est-ce que j'aime ça le boudin noir. Du fromage, oh punaise, du fromage cheddar râpé. Des bonbons, je vais remplir les bonbonnières après avec des bonbons comme ça qui me piquent. Une grande date de morue, ça c'est les plats qu'on n'a pas le temps de cuisiner avec le travail et tout. Non, on s'en prend de temps en temps, mais grande date de morue, les steaks hachés façon bouchère. Pour les paysannes, ça l'autre fois on l'avait pris, c'était super bon. D'ailleurs, je voulais vous faire un retour dessus, ça dépanne et c'est vraiment bon. Il y a des saucisses et tout à l'intérieur. Du filet de poulet, ça on adore faire ça. Le truc qu'on a mangé en sauce quand le chéri avait revenu tout ça avec du beurre blanc et tout, c'était trop bon. On a pris deux pizzas, une pizza au feu de bois royal et celle au chèvre, c'est une de mes préférées là-bas. Elle a vraiment un petit goût de feu de bois, c'est trop bon. Ça a l'air trop bon. Il y a tout qui tombe. On a pris des bûches comme ça. C'est chocolat et noisette mousse parfum. Je pense qu'on va en manger peut-être une ce soir. C'est 4 gâteaux, enfin 4 bûches individuelles. Donc trop cool, ça ressemble à des pommes de pain. Les petits palets. Oh putain, oh, je sais plus rien tenir dans mes mains. Je suis tellement fatiguée. Après, je vais aller me caler. 8 palets de légumes comme ça. On en a pris 2. Ça, c'est trop bon à manger avec du riz et autres. L'aligot, j'en avais 3 envie là. C'est team. Après la raclette, là, ça va être tartiflette et aligot. Super. Des bonbons comme ça. Les coca, enfin les faux coca bleus et roses, j'adore. Des mouchoirs. Encore, donc ça c'est des mouchoirs boîtes pour laisser à la maison. Je pense que je vais en tuer une entre ce soir et demain. Des petits pains au lait.
râpée pour le matin. J'adore les faire toaster moi dans mon grille-pain. Haricots beurre extra fin. Des pâtes. C'est les pépés regate. Des bananes. J'adore les truffes chez Lidl. Les truffes aux éclats de crêpes dentelles. Bon, ça doit croustiller. Ça doit être trop bon. À tout goûter ça. On a pris un pesto. Vous savez, j'adore le pesto, mais le pesto rouge. Pesto rouge préfère au pesto vert. Pacha a faim. Il faut que je lui donne sa pâtée. Des salsifis. Les salsifis, c'est tellement bon qu'on va les faire revenir à la poêle. Cocktail de fruits, c'est celui de Chéri qui adore manger ça de temps en temps. Des coca, parce que j'avais plus rien dans les bonbonnières en bonbons. Des crocos, donc on va les remplir. On a pris aussi des patates pour faire évidemment avec la tartiflette. Donc écoutez, je range déjà ça parce qu'il y en a partout. Je vous montre la suite. Bon, alors je vous montre la suite. On a pris 3 litières pour Pacha de base. C'est pour ça qu'on était inter. Parce qu'il n'y a qu'un inter où on trouve la litière pour Pacha. On a pris une caisse de clémentine. Des casse-grains comme ça. Enfin, c'est des aubergines cuisinées à la provençale. Ça, c'est trop bon quand vous faites avec un peu de riz ou autre. On a pris du jus de pomme et du jus de raisin. On a pris une boîte de chocolat comme ça. Ça, c'est pour la famille aussi pour Noël. Des Kinder Pinguis, on se demande c'est pour qui, hein. Les Kinder Pinguis, ça c'est pour le chéri. Il adore ça, moi j'aime pas ça. Des blancs de poireaux, moi j'adore les faire en vinaigrette. On a pris du filet mignon de porc extra tendre, ça c'est trop bon. Oui, aux deux moutardes. Des peaches pour le chéri pour le matin. On a acheté des trucs en fait pour le matin parce qu'on n'avait plus grand chose. Des lardons aussi. Des linguines, des pâtes linguines, c'est trop bon. Ensuite, le marbré au chocolat pour le matin. Ça, c'est délicieux. On aime bien de temps en temps les petits gâteaux comme ça, la four à la fraîche. Je les ai achetés tout le temps avant et au chocolat. Si vous me suivez depuis plusieurs années. Un gros sachet d'épinards. Des escalopes de dinde. Du jambon, bien entendu. Parce que sans jambon, on est malheureux. Des filets de poulet. Des danettes à la vanille. Ça, j'adore. C'est mon péché mignon, les danettes à la vanille. On a pris des rillettes de thon. Comme ça, déjà toutes prêtes. D'habitude, on les fait. Là, on a voulu essayer. Il y avait une promotion. Donc, on en a pris. Du gruyère râpé. Pain de mie. C'est lequel qu'on a pris. Grande tranche aux 7 céréales. Sachet de pain à cuire comme ça. Parce que ça, sinon, ça nous dépanne vachement. Compote de pommes Andros vanille. Mes préférés. On en a pris 2 pots. On les trouve pas partout. C'est ou à Carrefour ou à Inter. Donc, des îles flottantes. Ça, elles sont trop bonnes, celles-là. Je sais pas si vous les connaissez. Je les prends à Inter. Je pense qu'elles doivent exister un petit peu partout. Mais de la marque Yoplait, elles sont incroyables. Vraiment, faites-moi confiance, un jour vous les prenez. Des chewing-gums, mes préférés, c'est au cassis. Les courgettes aussi, la même chose que les aubergines, mais en courgettes. Et un liquide vaisselle. Ah, et c'est pas tout, je crois. On a pris également notre première couronne. Des rois français aux fruits confits. Ah, il y a ça en plein milieu, je suis désolée. Fabriquée à Aubagne, chez nous, dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'espère qu'elle sera bonne. Ce sera la première de l'année. Voilà pour les courses et tout. Et écoutez, on va ranger tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je me suis fait un petit goûter. Du coup, j'avais trop envie de goûter les truffes là qu'on a achetées aux éclats de crêpes dentelles. Oh, c'est trop bon. Voilà, vous voyez pas trop. Mais c'est une dinguerie. Attendez, je vais vous en sortir une. C'est comme ça, mais à l'intérieur, il y a plein de petits morceaux qui croustillent. Oh, c'est fou. J'en ai mangé au moins 5 ou 6. Hein. Je me suis régalée. Je me suis calée. Je suis en train de regarder un film de Noël à la télé. J'ai coupé le son mais c'est un film à la une. Et ce soir il y a Harry Potter. Et là je crois que bah, d'ailleurs c'est le dernier c'est le dernier là je crois. Je me suis fait un petit coca zéro. J'ai même pas vu, j'ai pris un verre à sortir mon pull sans faire exprès quoi. J'ai hâte de bien dormir ce soir. Je te jure que les deux nuits glacées qu'on a passées. Bref, sur ce je regarde des films. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais peut-être aller à la douche et me mettre en combi bien au chaud. Avec les pantalons comme ça là. Les pantalons un peu slim là. Vous gelez avec ça. Bon regardez ça, c'est ma meilleure amie. Je fais que me moucher. Ma boîte de mouchoirs. Heureusement qu'elle a plein de couleurs hein, franchement. Ça égaye un petit peu le rhume. J'en prends encore un parce que je n'arrête pas de me moucher. C'est ça depuis qu'on est rentré. Et du coup je pense que ça se voit. J'ai les yeux éclatés. D'ailleurs je vais aller à la douche. Ça va me réchauffer. Je vais prendre un Doliprane. J'ai mal au crâne, ça rime. C'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé ça comme ça d'ailleurs. Et je vous ai posé plein de questions là sur Instagram. Donc je suis en train de répondre à vos questions. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un peu un question-réponse. Pacha se réveille de sa sieste. Il me fait des gros bisous, mais t'as déjà eu ta pâtée mon petit cœur. Oh mon amour. Mais à la douche, je vais sûrement me laver les cheveux aussi. Au moins que ce soit hop, une paire de coups. J'ai pas super faim, mais en même temps, j'ai mangé plein de truffes au goûter. Allez, à toutes. Bon, finalement, je finis les pâtes. Et je me suis surtout fait une cure de vitamine de kiwi. Bon app. Bon, ça a l'air d'Harry Potter ce soir. Bon, du coup, on va clôturer ce vlog ici. Je vais quand même manger mon petit chocolat du jour. Malgré que j'ai mangé plein de truffes. Le 19, il est tout en bas.
Alors on l'ouvre, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Un champipi, deux champipi. C'est peut-être pour me faire un petit remède pour me soigner ça. Pas sûr que le chocolat me soigne, mais bon écoute, on va le manger. Je te sers tellement, je suis fatiguée. Je vais me poser devant Harry Potter, je ne bouge plus. J'espère que je vais recevoir ma commande Chine demain, au moins je vous la montre, parce que j'attends fortement ma combi de Noël, hein, pour changer de celle d'Halloween et de mes pyjamas un petit peu que j'ai de Noël, ouais, j'aime bien changer. J'avais commandé des chaussons de Noël, donc pour être un petit peu dans le thème et tout, j'ai hâte que ça arrive. Et normalement, je crois que demain, je reçois une partie, mais je crois qu'ils ont envoyé ça en trois colis. Il faut que je passe à Jiffy parce que j'ai l'autre bon à utiliser avant le 24 décembre dans mon autre Jiffy, donc faut absolument que j'y aille. Et je pense que je vais acheter des huiles essentielles parce que j'en ai besoin. Bon, je mange mon chocolat, j'arrête de parler. Sinon, demain, on y est encore. J'adore les chocolats, mais alors dès que je mange du chocolat, je sais pas où, je bois après beaucoup, beaucoup d'eau. Ça me donne archi soif. Bref, je raconte ma vie. Les cernes, c'est chaud. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain même heure pour la suite des vlogmas. Si et seulement si tout va bien pour moi. On peut pas savoir et prédire l'avenir. Peut-être que je vais m'endormir dans mon sommeil. Bon, allez, j'arrête. À demain, bisous et bonne nuit à tous. Tchuss.